sienne, a enlevé son épouse chérie. Donc il pleure, il dit, chère épouse, amante, où es-tu, où es-tu, reviens, reviens, reviens. Et c'est Florent Rabhi qui va nous l'interpréter. Un peu par Don Giovanni, et Zerline, c'est le jour de son mariage avec Mazette. Et Mazette
d'Antoine et ses domestiques l'ont roué de coups. Il est roué de coups, il souffre, et tout d'un coup, Zerline arrive et lui dit, moi, j'ai un remède que le pharmacien ne connaît pas, tout fou malade, tu sens mon cœur battre, c'est moi qui ai ce remède, je vais te le donner. Et donc, c'est très mignon, c'est charmant. Donc, Zerline, c'est là-haut, et c'est Michel qui fait Mazel, donc, il fait un personnage muet. Thank you.
pleurent ensemble la perte de l'époux et du père. Voilà.
Nous allons d'abord avoir Adrigo, le méchant frère, qui veut la faire épouser un autre que celui qu'elle aime. Et pour le, donc elle va chanter son air, il est furieux parce qu'il a le soupçon qu'elle a une relation avec son ennemi. Donc il va chanter son air et ensuite nous aurons un duo avec Lucia où il va lui faire croire qu'elle est trahie par son amoureux. Il va lui faire lire une lettre qui est un faux pour qu'elle accepte d'épouser son prétendant. C'est une question politique, il en a besoin pour pouvoir se sortir de tous ses problèmes. Donc c'est vraiment une décision politique. Il lui dit qu'il faut que tu te sacrifies pour le bien de la nation. Mais il lui a menti, elle croit qu'elle est très trahie et abandonnée. Donc elle va accepter d'épouser Arturo au lieu de Edgar, donc elle adore. Et c'est Naoko, d'abord Michel, qui va nous chanter un rico, ensuite arrivera Naoko. Oh!
général, on connaît beaucoup pour la symphonie du Nouveau Monde, parce que ça, c'est très c'est célèbre, et puis il a écrit aussi beaucoup d'opéras. Mais ça, c'est une berceuse, c'est une ancienne chanson que me chantait ma maman. C'est, on va commencer à parler des mamans. Donc, c'est Catherine qui va l'interpréter. Thank you.
La bohème, c'est l'ère de Mimi. Oui, on m'appelle Mimi ici, Picarado Mimi, où elle raconte ce qu'elle fait, qu'elle est vit dans sa mansarde, toute seule, comme ça, lui, Rodolphe, va savoir qu'elle est libre, hein, vivre au sol à soleil. Je vis toute seule. Et elle m'explique comment elle est dans sa mansarde, mais dès que le premier soleil arrive, il est pour elle. Et quand le soleil arrive, c'est, elle est heureuse, heureuse, puis après, elle recommence à broder ses fleurs, parce qu'elle est brodeuse. Malheureusement, des fleurs qui n'ont pas d'odeur. Et c'est Sarah qui aura l'interprète. Oh,
cinéma. Adriana Lecouvreur. Adriana Lecouvreur, c'est un personnage qui a existé, qui était du temps aussi célèbre que Sarah Bernhardt. Donc là, ce n'est pas Adriana que nous allons entendre, c'est la princesse de Bouillon, qui était l'amante de son nouvel amant. Donc, c'est la rivale d'Adriana Lecouvreur, et là, elle attend son ancien amant en espérant que les choses puissent se remettre en place. Et donc, elle chante au vagabond. Étoile d'Orient, ne pars pas, ne descends pas pour qu'il arrive, qu'il ait le temps d'arriver et que j'arrive à le reconquérir. Et d'ailleurs, à la fin, elle empoisonnera Adriana Lecouvreur. Hein, charmante, hein. Bon, c'est un tempérament. Et c'est Esther qui va nous l'interpréter. Oh,
séparer parce qu'il fait froid dans la mansarde. Mimi tousse, elle a la phtisie galopante, ça s'appelait comme ça la tuberculose à l'époque. Donc, ils décident de se séparer. Alors, elle me chante, je suis sortie de cette mansarde tellement heureuse, à ton cri d'amour. Maintenant, je peux te quitter, adieu et sans rancœur. Elle me dit, attends, tu vas réunir mes petites affaires et j'enverrai le concierge te chercher. Et tu pourras garder le petit bonnet rose que tu m'avais offert, tu pourras le garder en souvenir de moi, à Dieu, sans rancœur. Et c'est Cécile qui le chante. Alors elle chante un air absolument sublime à mon avis. Donc c'est sans tête sa mère. Sans maman, mon enfant, tu es mort. Tu es mort sans mes baisers.
et sans savoir combien t'aimait ta maman. Maintenant que tu as un ange dans le ciel, tu peux la voir, ta maman, tu la vois. Tu peux descendre par le firmament et tu peux venir. Je le sens, tu m'embrasses, tu me caresses. Et dis-moi quand est-ce que je vais pouvoir te rejoindre. Dis-moi quand je vais pouvoir mourir. Dis-le-moi avec un scintillement d'espoir. Je t'en prie, parle-moi à vous. C'est Naomi qui l'interprète. Thank you.
C'est un charmant duo qui a beaucoup de charme, vraiment beaucoup de charme. Et c'est Cécile et Esther qui l'interprètent.
vous allez entendre l'Ave Maria de Verona qui sait qu'elle est condamnée parce que la jalousie a envahi le pauvre être et il ne supporte plus. Donc il va venir la tuer, il va l'étrangler. Elle le sent, elle sait ce qui va lui arriver. Et elle chante l'Ave Maria. Donc c'est Sarah qui va l'interpréter. Thank you.
avait un lien de fer, chanté par Florent. Et après, sa femme va arriver, ils vont se disputer, se chamailler, se titiller, et
vont finir par s'embrasser. Et c'est Cécile et Michel qui le chantent. D'abord Michel, qui chante son air, et ensuite Cécile. Vous cherchez ici dans le monde.
seulement. Vous mentez, votre ennemi vous mûre. C'est le vent, ah, et ensuite nous ferons extrait de l'émission d'Amandré de Donizetti.
la barcarola. La barcarola, on voit, c'est un terme que j'explique un peu comme c'est en italien. Je suis riche, tu es belle, moi j'ai des sous. Pourquoi tu ne peux pas m'épouser? Elle dit non, moi je préfère, je suis gondolière et je veux le gondolier, je veux être avec un jeune qui m'a fait opérer. Il n'est pas tellement ragoûtant le prétendant, hein, mais il lui offre de l'entretenir. Et elle, elle veut son gondolier. Donc on le fera après la dernière de Béliard, j'ai dit. La dernière de Béliard, j'ai dit, vous savez un peu ce qui se passe. L'héroïne va dans un couvent pour se repentir de tous ses péchés. Et le père gardien lui dit, oui, d'accord, mais vous allez rester dans une grotte, vous ne verrez plus personne. Et vous aurez juste un morceau de pain et de l'eau. Et le moment où vous allez mourir, alors vous sonnerez une cloche et on viendra, vous aurez l'extrême onction. Donc, le cœur chante la Vierge des anges qui va vous accueillir et vous protéger. Voilà. Se per
parole de Mamie la Gondolière et le sénateur. C'est un sénateur très dingue, trois dents. Bon, ça veut tout dire. La Nina Gondoliera è il senatore tre denti. Barcarola due voci. Hey!
Gallo. Notre fidèle applaudisseur. La directrice artistique Christiane Penn. Nombreux, ils en vasent 1000 et ils valent bien toute la salle. Merci encore.